à toutes et bonjour à tous pour vous donner un petit peu la, la teneur des, des interventions que nous avons entendues hier pour peut-être annoncer celles que vous allez entendre aujourd'hui et particulièrement celle d'Etienne klein euh, je dirais les, les choses de cette façon nous sommes à la fois ceux qui allons mourir, nous allons tous mourir, et en même temps, nous sommes aussi ceux qui pensons que nous n'allons pas mourir. C'est le propre. Alors, qu'est-ce qui ne va pas mourir C'est l'âme, c'est la mémoire de notre nom, ce sont nos œuvres, c'est ce dont se souviendront ceux qui euh, nous, nous survivront. C'est le propre d'Homo sapiens sapiens, cette espèce de mammifère de l'ordre des primates que d'avoir le premier compris qu'il allait mourir et d'avoir imaginé des stratégies, des contournements de cet événement. Et la mort est probablement le ferment qui a permis la réflexion, la philosophie, la théologie, les eschatologies, cette capacité de nous projeter au-delà des murs. Au-delà de tous les obstacles. <laughs> La manière dont, dont nous acceptons ou nous n'acceptons pas le verdict ou nous le contournons, c'est au fond un, un curseur, c'est un doute qui se promène comme ça d'une certitude à une angoisse. On peut comme le faisait Paul Venn à propos des Grecs, se demandait de quelle manière les Grecs avaient accepté les mythes que nous connaissons aujourd'hui. Les mythes, euh, les Grecs croyaient-ils à leurs mythes Vous vous souvenez de ce livre, probablement. Mais un Égyptien, en imaginant son corps momifié, ce corps euh, destiné à ce voyage dans l'au-delà, est-ce que, est que l'Égyptien croyait absolument à ce qui lui était proposé Au fond, il est, il est clair que... Il y a en nous un dialogue ou peut-être un conflit entre ce qui va mourir et ce qui ne meurt pas. Nous savons que nous sommes mortels et nous croyons que nous sommes immortels. Et je pense que c'est ici que se, se rencontrent un petit peu toutes les contributions, avec cette particularité que dans la modernité, nous sommes à peu près convaincus qu'avec le progrès, avec le transhumanisme qui ouvre vers de nouveaux territoires, nous sommes à peu près convaincus que nous allons, nous, mortels, sans le recours des dieux, trouver les solutions. Nous allons échapper à la mort. Alors, si c'est vraiment l'hypothèse, à quoi bon se préoccuper de la mort Pourquoi faire des deuils si longs si la mort et demain, euh, si la mort a disparu demain de l'horizon. La modernité, je pense, vous avez, on, on, a, on a parlé hier de la façon dont la mort disparaissait de nos horizons, c'est probablement pour cette raison, on a au fond de nous la conviction que nous allons l'emporter. Alors nous n'en sommes pas là, nous mourrons encore, et ce sont des quatre contributeurs qui vont se succéder à la tribune, que je présenterai, et euh, au terme de ces quatre contributions, il y aura un débat. Et je commence par vous présenter Étienne Klein. Étienne Klein, philosophe des sciences. Il dirige le laboratoire de recherche sur les sciences de la matière du commissariat à l'énergie atomique à Saclay, tout en menant une carrière de vulgarisation autour des questions soulevées par la physique contemporaine, notamment... Par la physique quantique et la physique des particules, les grands enjeux de la recherche contemporaine. Parmi ses livres nombreux, il m'en a offert un ici Les tactiques de Chronos en 2003, Le facteur temps ne sonne jamais deux fois en 2007, Y a-t-il eu un instant zéro en 2015 Tout n'est pas relatif. Le titre de sa contribution aujourd'hui Les lois de la physique auraient-elles oublié la mort Merci beaucoup, bon, bonjour à toutes et à tous. Merci aux, aux organisateurs de m'avoir invité, ce qui laisse entendre que j'aurai quelques compétences particulières à vous parler de la mort. J'en suis pas certain, mais pour commencer, je voudrais rebondir, comme on dit, sur cette expression que vous avez utilisée, l'immortalité, qui est promise par les post-humanistes ou les transhumanistes, comme on les appelle, avec cette idée que les progrès des... Technologies, des nanotechnologies notamment, ou de l'informatique, ou des sciences euh, du cerveau, pourront nous permettre à, à une échéance qui est discutée de devenir immortels. Alors, ce qu'ils appellent l'immortalité, ce n'est pas une longévité augmentée. C'est vraiment l'immortalité, sans jamais vraiment euh, poser les questions qui vont avec cette promesse. Admettons par exemple qu'au sein de l'humanité, grâce aux progrès qu'ils invoquent, quelques personnes deviennent immortelles. La question, c'est comment est-ce qu'elles pourraient le savoir Il faudra attendre un certain temps avant de pouvoir garantir que ces personnes qui ont toujours vécu au sein d'une espèce dans laquelle tout le monde est des mortels sont devenues immortelles. Et donc, il y a toutes les chances que les immortels en question seraient ignorants de leur immortalité ou du moins serait sceptique à son sujet. Et puis même s'il le savait, qu'est-ce qu'il ferait Si vous saviez que vous êtes immortel, en quoi est-ce que cela changerait votre façon de vivre bah sans doute en vous obligeant à ne plus jamais quitter votre domicile de peur de mourir, puisque <coughs> perdre l'immortalité par accident, par exemple, c'est beaucoup plus difficile que de perdre la vie. Et donc, euh, oui, on perd beaucoup plus. Quand on perd la vie en étant mortel, on perd quelque chose qu'on doit perdre. Quand on perd la vie, quand on est immortel, c'est quand même euh, beaucoup plus difficile à accepter, si tant est qu'on quelque, éprouve quelques goûts à être euh, immortel. Alors, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est, comme vous l'avez dit, euh, est-ce que la physique, par ses lois, n'aurait pas oublié la mort Alors, je vais commencer par quelques banalités qui sans doute ont été dites par d'autres. Euh, Ici, hier, tant elle s'impose quand on évoque la mort. La première chose, c'est que la mort est quelque chose d'invivable, au sens où nous ne pouvons pas éprouver l'instant de notre mort. La mort n'est jamais un présent. Et les, les certains anciens avaient utilisé cet argument pour dire qu'il ne fallait pas se soucier de la mort dès lors qu'il était impossible de la vivre. Quand on est vivant, on n'est pas mort. Quand on est mort, on est mort. Et donc, il est impossible d'être vivant pendant sa mort. Donc, personne n'a la compétence pour en parler. Personne n'en est revenu. Et donc, personne ne sait ce qu'est la mort. La relation que nous avons avec elle ne peut se faire dans la lumière. La mort nous met toujours en relation avec quelque chose qui ne vient pas de nous. Et qui donc nous semble mystérieux. La chose étant mystérieuse, on peut en dire à peu près ce qu'on veut. D'ailleurs, Émile Cioran disait l'avantage qu'il y a à se pencher sur la vie et sur la mort, c'est qu'on peut en dire n'importe quoi. Ce qui me donne quartier libre pour parler. Alors, maintenant, d'un point de vue phénoménologique, euh, comment se montre la mort Ceux d'entre vous qui ont assisté à la mort de quelqu'un, pas une mort violente, mais une mort par maladie, par exemple. Vous savez que c'est d'abord la disparition dans les êtres concernés de tout mouvement expressif qui les faisait apparaître comme vivants. Soudain, ça se passe en très peu de temps, le visage se transforme en masque. Et on le voit, la, la vie est partie. Il n'y a plus de réponse possible de la part du sujet, il n'y a plus de signes. Et donc la mort, du point de vue phénoménologique, là encore, et cette immobilisation qui réduit le corps à quelque chose de muet et de décomposable. Et puisqu'on doit parler de physique, ça pose une question euh, que personne ne sait résoudre. C'est que si vous regardez la composition d'un corps une nanoseconde après la mort de l'individu, sa composition chimique, les atomes qui constituent ce corps, sont exactement les mêmes qu'avant la mort. Et donc qu'est-ce qui a fait que, alors que la constitution physique du corps est la même, la vie qui était là n'est plus là Alors j'ai lu, pour préparer cette conférence, un certain nombre de textes à propos de Démocrite et des premiers atomistes de l'Antiquité, et certaines thèses défendent l'idée que si Démocrite et d'autres ont proposé l'idée d'atome, c'est justement pour éradiquer la peur de la mort avec l'idée que quand nous mourons, les atomes qui nous constituent ne meurent pas. Ils sont éternels. Et donc la mort, pour eux, n'est pas un événement. Et nos atomes qui sont immortels vont se recombiner après notre mort, qui est simplement la mort d'un organisme et non pas la mort des entités qui le constituent. Nos atomes vont se recombiner ailleurs pour faire d'autres objets inertes ou d'autres êtres vivants. Et donc, la mort est comme rien au niveau des atomes et c'est assez intéressant que cette idée d'atomes ait été portée non pas par des arguments de physique mais plutôt par des réponses tentées à propos de questions métaphysiques et quand on, on pense le corps euh, en termes d'atomes et en une fois en une fois enfin j'insiste encore pour dire que c'est très mystérieux de savoir pourquoi des molécules qui participaient à la vie tout d'un coup n'y participent plus alors qu'elles sont restées les mêmes. Après, il y a une décomposition, mais cette composition ne démarre que bien après. À l'instant de la mort, c'est la même chose, et pourtant, ce n'est pas du tout la même chose. Et quand on a cette idée de l'atome constituant des corps, on a envie de croire que les organismes vivants euh, seraient composés d'entités stables qui, au jour de leur mort, désagrègent leurs liens et se dispersent. Et donc, la mort, c'est la dispersion de ce qui nous constitue et c'est la cessation des interactions qui lient entre elles nos molécules ou entre eux nos atomes. Alors ça, c'est une image qui est fausse, on le sait. Pourquoi Parce que les molécules organiques qui forment nos tissus quittent notre organisme dans une ronde incessante et sont remplacées par d'autres. Nos cellules ne cessent pas d'être renouvelées, y compris celles qui euh, appartiennent aux, aux tissus les plus, les plus solides en apparence, comme l'os. Si on prend euh, les globules rouges, par exemple, ils ont une espérance de vie de 120 jours. Donc nos globules rouges sont, con, sont constamment remplacés par de nouveaux, de sorte qu'un organisme vivant est comme un bateau de Thésée, euh, ce bateau qui était, comme vous le savez, perpétuellement réparé, et dont les sophistes d'Athènes se demandaient, au fur et à mesure que les pièces en étaient modifiées ou remplacées, s'il s'agissait encore du même bateau. Et donc ça veut dire que les cellules, ou les molécules, pour le dire autrement, qui nous constituent, sont sans cesse remplacées, mais ce remplacement continu ne modifie pas notre identité. Nous restons les mêmes avec des constituants qui sont en permanence renouvelés on a longtemps pensé que la disparition de nos cellules comme notre propre disparition ne pouvait résulter que d'accidents de destruction ou d'usure c'est-à-dire d'une incapacité intrinsèque à résister au passage du temps et aux agressions de l'environnement autrement dit on mourrait par usure des pièces qui nous constituent Alors on sait depuis assez longtemps maintenant que les choses ne sont pas si simples nos cellules possèdent tout au long de leur existence le pouvoir de s'auto-détruire en quelques heures. Et ce qui fait qu'elles ne se détruisent pas, ce qui fait qu'elles survivent au moins pendant un certain temps, vient du fait qu'elles sont capables de percevoir dans leur environnement le langage des signaux émis par d'autres cellules qui seules leur permettent de réprimer le déclenchement de leur auto-destruction. Autrement dit, nos cellules sont constamment au bord du suicide. Et si elles ne se suicident pas, c'est parce que leur environnement leur demande de ne pas le faire. Et ce suicide cellulaire qu'on appelle l'apoptose peut conduire à des pathologies lorsque justement l'apoptose ne se fait pas. C'est ce qu'on appelle le cancer. Le cancer, c'est lorsque des cellules qui devraient mourir, en fait, survivent et deviennent surnuméraires. Et donc, c'est cette fragilité même des cellules qui est constamment retardée, qui, cette sorte de sursis permanent qui permettent à nos corps de voyager à travers le temps de se reconstruire en permanence et de s'adapter à des environnements perpétuellement changeants. alors il y a une analogie en physique qui peut illustrer ça c'est le noyau des atomes. c'est que le noyau des atomes il est constitué de protons et de neutrons. les protons ont une durée de vie tellement grande qu'on n'a jamais pu la mesurer. elle est sans doute plus longue que la durée de vie de l'univers. Alors que les neutrons, eux, ont une durée de vie d'un quart d'heure. Un neutron libre disparaît par radioactivité. Au bout d'un quart d'heure, il se transforme en un proton, un électron et une particule qu'on appelle l'antineutrino. Or, dans nos atomes, il y a des noyaux qui contiennent des neutrons. La question, c'est comment se fait-il qu'il y ait des noyaux avec des neutrons dans notre corps, alors même que l'espérance de vie des neutrons est d'un quart d'heure nos atomes ont été formés dans les étoiles il y a des milliards d'années. Donc il ne devrait plus y avoir de neutrons dans les noyaux puisque leur durée de vie effective dépasse de loin leur espérance de vie. Et ça c'était un problème en physique pendant très longtemps jusqu'à ce qu'on comprenne qu'en fait les neutrons, les neutrons sont toujours là parce qu'en fait ils sont éternels à temps partiel. C'est-à-dire que dans le noyau il y a des interactions nucléaires entre protons et neutrons. Et certaines de ces interactions transforment les protons en neutrons et les neutrons en protons, à un rythme qui peut être très élevé, par l'échange de particules qu'on appelle des pions. C'est-à-dire que les neutrons, avant même qu'ils aient temps de disparaître, se transforment en protons, qui ont une durée de vie infinie ou très grande, de sorte qu'ils deviennent immortels. Et puis ils redeviennent des neutrons mais n'ont pas le temps de se désintégrer. À nouveau, ils vont se retransformer en protons, et ils sont donc, comme je le disais, euh, éternels ou immortels à temps partiel, c'est-à-dire immortels. Si vous êtes immortel à temps partiel, vous êtes immortel, à condition évidemment que la durée pendant laquelle vous êtes mortel n'excède pas votre espérance de vie. Et donc, il euh, <coughs> y a là quelque chose qui montre que on peut être stable tout en étant formé d'entités instables. Et donc, est-ce que la mort est quelque chose dont la science puisse parler Il y a deux biologistes, qui s'appellent André Karsfeld et Frédéric Riva qui ont écrit il y a quelques années un livre intitulé La biologie de la mort. Et ce qu'ils montrent, c'est que la mort est un problème scientifiquement non résolu personne ne sait dire pourquoi. nous mourons. on sait dire comment nous mourons. Euh, le sens commun dit que nous mourons parce que l'on s'use. mais, c'est pas ça. Alors on dit par exemple qu'on va mourir de maladie. oui, une maladie peut tuer. le vieillissement s'accompagne d'une augmentation de la probabilité d'être malade. mais, mourir parce qu'on est malade, c'est pas la même chose que de mourir du fait d'être susceptible d'être malade. Et donc la mort euh, n'est pas expliquée en biologie parce que ce qui est en partie expliqué, c'est le vieillissement. Mais ce n'est pas encore une fois le vieillissement qui nous tue, c'est autre chose. Et cette autre, cette autre chose, c'est la cassure des liaisons dont j'ai parlé, qui fait qu'un corps qui était constitué d'atomes inertes fabricants de la vie, devient un corps inerte, constitué d'atomes inertes, qui ne fabriquent plus de vie. Et donc, euh, il y a toutes sortes de questions là que je ne vais pas traiter parce que je ne suis pas biologiste, pour en revenir plutôt à la physique. Euh, Spinoza a expliqué que dans tout exercice de l'intelligence, il y a un effort pour contester ou défier le passage du temps. Spinoza écrit « Il est de la nature de la raison de percevoir les choses sous une certaine espèce d'éternité ». Ce qui veut dire que pour lui, l'intelligible et l'éternel semblent devoir toujours être associés l'un à l'autre. Et vous savez que c'est dans l'art que cette association, dans un premier temps, elle a été la plus, la plus féconde. Il fut un temps où toute perfection d'ordre esthétique devait se lier à l'éternité par quelques rapports nécessaires. Platon dit par exemple qu'il y a un rapport immédiat, il y a un lien entre le vrai, qui est éternel, et le beau. Le vrai et le beau s'associent. Ce que nous pouvons comprendre nous renseigne sur la nature de l'éternité. Et il se trouve que la science, dans un premier temps, avant de devenir ce qu'on appelle la science moderne, elle a tenté dans ce domaine d'imiter l'art. Elle a voulu associer perfection et inaltérabilité. Et parfait ce qui ne s'abîme jamais. Et alors d'où provient cette confusion Ou plutôt cet amalgame Galilée, qui a inventé lui la physique qu'on appelle moderne, a expliqué cet amalgame qu'il a critiqué par la suite en disant ceci cet amalgame. Ce goût pour l'inaltérabilité, dit-il, vient tout simplement de notre hantise de la mort. Et alors comment est-ce qu'il a eu cette idée Eh bien, après qu'il ait pointé sa lunette sur la Lune, pendant l'hiver 1609-1610, vous vous, enfin, vous vous souvenez, vous savez qu'il a, qu a vu qu'à la surface de la Lune, il y avait des ombres créées par des infractuosités dont il a pensé qu'elles étaient des montagnes. Et il a vu que ces ombres se déplaçaient au cours du temps exactement comme les ombres qu'on voit sur la Terre et qui sont produites par les montagnes. Alors qu'à l'époque, tout le monde pensait qu'il y avait deux sortes de mondes. Il y avait un monde qu'on appelait le monde sublunaire, jusqu'à la Lune, composé des quatre éléments. Ce monde était corruptible. Donc les quatre éléments, c'est l'eau, la Terre, l'air et le feu. Et puis au-delà de la Lune, il y avait le monde supralunaire qui commençait, qui était lui formé de la cinquième essence, la quintessence. Et qui lui était parfait et inaltérable. Mais dans son cahier d'expérience, Galilée écrit J'ai vu que la Terre, pardon, j'ai vu que la Lune était terreuse. La Lune est comme la Terre, puisqu'il y a des montagnes, il y a des ombres, c'est exactement comme la Terre. Et donc il n'y a qu'un seul univers. La séparation qu'Aristote avait proposée entre les deux univers dont j'ai parlé disparaît d'un seul coup. Il n'y a plus qu'un seul univers, et il est partout corruptible. Et donc on a eu tort, dit-il, d'associer perfection et incorruptibilité. Il écrit ceci Cela qui exalte si bien l'incorruptibilité et l'inaltérabilité, je crois qu'ils en viennent à dire ces choses à cause de leur grand désir de beaucoup survivre. Et de la peur qu'ils ont de la mort. Et il est hors de doute que la terre est bien plus parfaite, étant comme elle l'est, altérable et changeante, que si elle était une masse de pierre et même un diamant très dur et impassible. Et donc ce qu'il dit, c'est que on s'est trompé en associant trop directement le temps qui passe et la mort. Peut-être que la mort n'a rien à voir avec le temps qui passe. Simplement, notre pensée de la mort habille le temps, c'est même peut-être le, le vêtement principal du temps qui détermine notre rapport au temps. Autrement dit, c'est la pensée de la mort qui structure notre relation au temps beaucoup plus que le temps même. Autrement dit, nous pensons le temps à partir de la mort, alors que, dit Galilée, nous devons penser la mort à partir du temps. Alors, l'affaire est en fait plus compliquée que ça, évidemment, parce que euh, le temps, comme vous l'avez dit, semble être à la fois ce qui fait durer les choses et aussi ce qui fait que rien ne demeure définitivement. Nous durons, nous durons, puis un jour nous cessons de durer. Et donc toute mort renvoie au phénomène de la faim quelque chose se termine, mais aussi à la fin du phénomène, au sens où on ne sait pas ce qui se passe après elle. Elle conjugue donc deux ambiguïtés, celle du néant et celle de l'inconnu. De là son mystère. Nous comprenons la corruption, la transformation, la dissolution, nous comprenons le changement, même si c'est difficile, j'y reviendrai peut-être, nous saisissons que quelque chose peut subsister quand les formes passent, mais la mort tranche sur tout cela, qui demeure réfractaire à la pensée, à la science et au discours. Pourquoi Parce que nous sommes incapables de penser le néant. Comme le disait Bergson, le néant ou l'idée de néant est une idée qui est destructrice d'elle-même. Autrement dit, on ne peut penser le néant et le concevoir que si on n'y pense pas. Puisque dès qu'on pense le néant, par tous les stratagèmes qu'on peut imaginer, on en fait immédiatement quelque chose qu'il ne peut pas être. On va lui attribuer une, une substantialité, une spatialité, peut-être une forme. On va le faire être. On va le faire exister d'une certaine façon. Ce qui contredit l'idée même de néant. Et donc le néant n'est pensable que si on n'y pense pas, puisque penser le rien, n'est jamais pensé à rien et c'est ça qui rend la mort impensable si on l'assimile au néant et donc on ne peut la penser que si on la distingue du néant c'est à dire si on imagine qu'elle se produit dans un contexte qui lui ne meurt pas par exemple quand je meurs mes atomes ne meurent pas ils ne meurent pas parce qu'ils n'ont jamais été vivants il faut se recombiner ailleurs mais il y a quelque chose qui perdure et on ne peut penser la mort qu'en imaginant que quelque chose autour de cette mort ou avec cette mort ne disparaît pas. De même qu'on ne peut penser l'origine de l'univers qu'en imaginant qu'avant l'univers, il y avait quelque chose qui a pu créer l'univers. Pour la même raison, on ne peut pas penser le néant. Penser l'origine de l'univers, c'est penser comment l'absence de toute chose, c'est-à-dire le néant, est devenu quelque chose. Et à chaque fois qu'on raconte l'origine de l'univers on prononce des phrases qui contredisent l'idée même d'une origine de l'univers. On dit par exemple, à l'origine de l'univers, il y avait, je ne sais pas, le vide quantique, ou une collision de trous noirs, ou Dieu, ou des lois physiques, peu importe. Ces phrases-là contredisent l'idée même que l'univers a une origine. Parce que ou bien la chose qu'on met en amont de toutes les autres a toujours été là, ce qui veut dire qu'il y a toujours eu quelque chose, donc l'univers n'a pas d'origine. Ou bien cette chose qu'on met en avant est elle-même l'effet d'une cause antérieure qui l'a produite, et ce n'est pas l'origine. Donc à chaque fois qu'on nomme l'origine de l'univers, on dit quelque chose qui contredit l'idée que l'univers a une origine. Et pour la mort, c'est la même chose. Si on dit la mort, c'est la chute dans le néant, on dit quelque chose que nous ne pouvons pas penser. Et donc on est obligé d'imaginer qu'autre chose se prolonge. Alors la physique, maintenant, pour revenir à elle, la physique, c'est, pour le dire de façon sommaire, c'est une sorte de, de législation invariable des métamorphoses. Autrement dit, la physique est une discipline qui est capable d'expliquer le changement, par exemple l'évolution de l'univers, à partir de lois qui, elles, ne changent pas au cours du temps. Et alors, si les lois changeaient, on ne pourrait pas, pas faire de physique. Si les lois changeaient tout le temps, on ne pourrait pas les utiliser pour décrire le passé, par exemple ou pour décrire les objets qui sont loin de nous, qui nous envoient de la lumière, la lumière met un certain temps pour nous parvenir. Et si les lois physiques avaient changé entre le moment où nous recevons cette lumière et le moment où cette lumière avait été émise, on ne pourrait pas comprendre la structure de cette lumière. Et donc le fait que les étoiles qui envoient de la lumière dans le passé, cette lumière nous arrive et nous comprenons ce qui se passe avec nos lois physiques d'aujourd'hui, ce qui démontre que les lois physiques du passé étaient les mêmes que celles d'aujourd'hui. Et donc euh, on a du mal dans un tel contexte à partir de lois invariables, de lois qui ne changent pas, de lois qu'on pourrait presque dire éternelles. On a du mal à comprendre un phénomène comme la mort qui est notre sujet. Alors, est-ce que c'est parce que la physique s'est trop idéalisée Elle s'est mise dans des sphères où la mort n'est plus d'actualité, si j'ose dire Elle décrit une sorte de... De mondes lointains qui ne nous concernent pas Ou est-ce qu est que ce qu'elle nous enseigne dit des choses que nous devrions davantage méditer Il y a un philosophe que j'aime beaucoup, qui s'appelle Georges Canguilhem, qui a été l'élève de Bachelard, qui disait ceci La maladie et la mort de ces vivants qui ont produit la physique, parfois en risquant leur vie, il pensait à Marie Curie, ne sont pas des problèmes de physique. La maladie et la mort des vivants ne sont pas des problèmes de physique. La maladie et la mort des vivants physiciens et biologistes sont des problèmes de biologie. Donc pour lui, la mort, c'est un problème de biologie, pas de physique. Et on comprend pourquoi il a dit ça c'est que la physique, euh, elle, elle a limité ses ambitions et borné son domaine. Elle n'étudie la, la matière que dans ce qu'elle a d'inerte et suppose que tous les objets matériels qu'elle identifie, par exemple les atomes, ne sont pas eux-mêmes vivants même lorsqu'ils appartiennent à un être vivant. Les atomes d'un corps vivant ne sont pas vivants. Ce qui veut dire que de la matière inerte est capable de fabriquer ou au moins de recevoir la vie. Où qu'ils soient, ces atomes sont des entités sans vie dont, seul, ouais, dont seule l'agglomération nombreuse et organisée a pu produire la vie. La vie serait en somme ce qu'on appelle une propriété émergente de la matière inerte. Et ça, ce n'est pas une hypothèse choquante. Hein. Par exemple, euh, les atomes qui constituent la, la, la peinture rouge ne sont pas rouges. Ça veut dire qu'un objet macroscopique peut avoir des propriétés que ses constituants n'ont pas. Et on peut imaginer que donc des atomes qui ne possèdent pas de vie fabriquent par leurs interactions. Un être vivant. Et donc, euh, ça revient à admettre que que les lois physiques sont les mêmes dans les organismes vivants que dans les organismes inertes. Donc, il y a beaucoup de travaux depuis très longtemps, mais qui sont très actifs aujourd'hui parce que beaucoup de gens regardent les interactions entre la physique et la biologie, qui essaient de comprendre, euh, par exemple, la conscience ou qui essaie de comprendre la vie. Qu'est-ce qui fait que des atomes, dans certaines conditions, forment un édifice vivant ou un édifice qui a de la conscience Et euh, le moins qu'on puisse dire est que ça ne converge pas, on n'arrive pas à définir la conscience proprement, pareil pour la vie d'ailleurs. Mais on pourrait se poser la question à l'envers, et supposer que toute matière est vivante, et, et essayer de comprendre ensuite pourquoi certains objets ne le sont plus. Qu'est-ce qu qui fait que cette bouteille n'est pas vivante si je comprenais pourquoi cette bouteille n'est pas vivante, peut-être que je comprendrais mieux la vie qu'en essayant de comprendre comment des objets non vivants peuvent fabriquer de la vie. C'est une suggestion. Hein. Alors, pour finir, parce que j'ai plus que cinq minutes, euh, on pourrait dire, mais finalement, même en physique, on voit des processus qui, qui montrent une certaine usure. Par exemple, la radioactivité. La radioactivité, c'est que vous prenez des, certains atomes et vous voyez qu'au bout d'un certain temps, ils se désintègrent. Ils meurent, entre guillemets. ils meurent. Bon. Et donc, euh, quand Becquerel et Marie Curie ont observé ce processus, ils ont d'abord pensé que la radioactivité était un effet d'une usure de la matière. La matière s'use. Les noyaux, on parlait de noyaux à l'époque, on parlait d'atomes, mais peu importe. Les atomes vieillissent. En vieillissant, ils s'usent. Et la radioactivité qui signe leur mort est simplement la conséquence de ce vieillissement. Et en fait, non. On a fini par comprendre que non. Les atomes radioactifs ont ceci de particulier, qu'ils meurent, ils sont mortels, sans jamais avoir vieilli. Autrement dit, leur mort n'est pas le résultat d'une usure, mais un processus qui est lié à leur formation. Au moment de leur formation, ils ont accumulé trop d'énergie, et à un moment ou à un autre, ils devront la libérer. Comment est-ce qu'on a compris ça eh bien En remarquant que la probabilité qu'un atome radioactif se désintègre dans l'heure qui vient, par exemple, est complètement indépendante de son âge. Par exemple, si je prends un atome de carbone 14, dont vous savez qu'il est radioactif, carbone 14 euh, radioactif, une période de plusieurs milliers d'années, j'en prends un qui est, qui est apparu dans ma main il y a deux minutes. Donc l'âge de cet atome, c'est deux minutes. J'en prends un autre dans ma, ma droite dont l'âge est 2 milliards d'années. Je compare la probabilité que chacun d'eux disparaisse dans la minute qui vient. Je vais me dire, c'est le plus vieux qui a le plus de chances d'y passer. Ben non, non. La probabilité qu'ils ont l'un et l'autre de disparaître dans, la, dans le futur est exactement la même. Autrement dit, elle est indépendante de leur âge. Alors qu'est-ce qu'on appelle le vieillissement Ce qu'on appelle le vieillissement, ce n'est pas le fait de prendre de l'âge. Le vieillissement, c'est le fait, en prenant de l'âge, d'augmenter la probabilité qu'on a de mourir dans l'année qui vient. Ça, c'est la définition de l'INED, l'Institut national des études démographiques. On prend par exemple le 1er janvier toutes les personnes qui ont 40 ans, et puis on regarde un an plus tard combien il en reste vivantes. Et ça donne une probabilité qu'une personne de 40 ans en France meurt dans l'année qui vient. Donc ça mesure le vieillissement. Et si vous regardez les courbes qui sont publiées par l'INED, vous verrez qu'en France, les hommes ne vieillissent pas entre 23 et 39 ans. C'est-à-dire qu'un homme de 23 ans a exactement la même probabilité de mourir dans l'année qui vient qu'un homme de 39. Donc il y a tout un plateau comme ça pendant lequel on est radioactif. Enfin, on est, on est, on est comme les atomes radioactifs, c'est-à-dire notre probabilité de mourir ne dépend pas de notre âge. Et euh, après 39 ans, euh, ça s'aggrave euh, pour toutes sortes de raisons sur lesquelles je ne reviendrai pas. Les femmes, c'est différent, si je puis me permettre. Les femmes vieillissent tout le temps, à tous les âges de la vie, par contre beaucoup moins que les hommes. Que la probabilité de mourir augmente chaque année, mais ce nombre est toujours beaucoup plus faible que pour les hommes. C'est pour ça qu'il y a plus de femmes centenaires que d'hommes centenaires. Pierre Dacke disait, les femmes vivent plus longtemps que les hommes, surtout les veuves. Bon. Alors, pour, pour finir, pourquoi est-ce que, est que, est que la physique échoue à rendre compte de la mort Simplement parce qu'il y a plusieurs raisons, mais la principale, c'est qu'elle s'appuie sur le principe d'inertie. Le principe d'inertie qui dit que le mouvement d'un corps se prolonge indéfiniment si le corps ne subit aucune force. Et donc c'est un principe qui met euh, les éléments inertes à l'abri euh, de tous les changements, de toutes les variations d'environnement, de toutes les altérations qu'on peut imaginer. Il y a aussi le fait que euh, les lois physiques sont des lois qui sont réversibles en temps, comme on dit. C'est-à-dire que ce qu'une loi physique permet de faire, elle permet aussi de le défaire. Et donc on ne comprend pas qu'il puisse y avoir des phénomènes aussi irréversibles que la mort. Mais il y a une question de, de fond sur laquelle je terminerai, c'est s'agissant d'expliquer la vie, donc la mort, est-ce que les lois physiques suffisent ou pas Autrement dit, est-ce que la vie est une propriété émergente comme je l'ai dit Ou est-ce que dans la biologie, il y a des lois, pas forcément connues, qui bénéficieraient d'une sorte d'extraterritorialité par rapport à la physique pour le dire encore autrement, est-ce que les lois biologiques sont une expression des lois physiques dans des contextes particuliers Ou est-ce que les lois biologiques sont des lois qui s'ajoutent aux lois physiques sans leur devoir rien de leur propre structure Voilà, ça c'est une question ouverte. Et euh, pour conclure, si je peux encore avoir une minute. Euh, il y a beaucoup de systèmes philosophiques, à commencer par Montaigne, euh, qui a été radicalisé, si on peut dire, par euh, Heidegger, selon euh, lesquels, selon lesquels euh, il faudrait penser que le temps est, sinon la mort même, du moins son vecteur, que c'est lui qui détermine sa structure et qu'il faut donc penser le temps à partir de la mort et non l'inverse. Par exemple, Montaigne écrit, vous êtes en la mort pendant que vous êtes en vie. Avec l'idée que la mort, elle est déjà là, elle nous corrode et nous transforme en chat de Schrödinger qui sont dans la superposition quantique d'un chat vivant et d'un chat mort. C'est-à-dire qu'on est vivant, mais déjà la mort est là en train de nous contaminer. Bon. Euh, Heidegger, c'est encore pire. Euh, il dit la mort est la source de nos représentations ordinaires du temps pour la simple, pour la simple raison qu'elle nous empêche de nous situer dans un ordre plus vaste. Le temps n'est donc que l'autre nom de la mort. Un nom moins angoissant, plus neutre, une ultime ruse par laquelle nous parviens, parvenons à réduire la puissance affective du mot mort. Autrement dit, on a inventé le mot temps pour ne pas avoir à toujours prononcer le mot mort. Bon. Et donc, euh, allez-en croire, le temps ne serait finalement rien d'autre qu'un masque de la mort, plus vivace qu'elle, seulement destiné à la rendre verbalement présentable et intellectuellement admissible. Alors que si vous regardez les équations de la physique, c'est exactement l'opposé le, le, qu'il faut considérer. La mort n'est pas en train d'agir dans le présent. La mort est un instant obligatoire du futur. Mais tant qu'elle n'est pas là, elle n'est pas là. Merci pour votre attention.